il faut absolument qu'on trouve une solution là, parce que franchement, on est vraiment dans la crotte, hein. Oui, et il faut aussi impérativement que nous retrouvions Roger. C'est hyper important. J'espère qu'on va le retrouver et qu'on n'entendra plus jamais parler de cette voix. Vous croyez vraiment que vous allez pouvoir me battre, lui? Franchement, je vais la massacrer cette voix, vous allez voir. Et mais qu'est-ce qui arrive? Et mais c'est notre voiture. Ouvrez. Bonjour monsieur Papo, je suppose que c'est vous. Nous sommes enfermés dans la pharmacie, nous avons une voix et la pharmacie va exploser dans seulement quelques minutes. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon Eric, c'est trop compliqué à expliquer, mais faut juste que tu essaies de nous sortir de là. Mais je ne peux pas, la porte elle est verrouillée. Ben on sait, c'est pour ça qu'on peut pas sortir. Et puis en plus, y a une voix qui a fait disparaître Roger et qui a fait tomber toutes les étagères, ce qui a bloqué le passage pour aller à la porte. Quoi? Roger a disparu? Oui malheureusement. Alors, si je entends cette fameuse voix, je vais la massacrer comme toi, je suppose que tu as déjà dû lire ça. Exactement, bon, on faut absolument qu'on trouve une solution, parce que sinon, dans 3 minutes, on va exploser, en fait. Mais il n'y a pas un passage secret dans votre pharmacie, par lequel on pourrait passer, je sais pas, moi, pour sortir? Non, il n'y a pas de passage secret dans la pharmacie, et puis, de toute façon, je pense qu'on aurait déjà essayé, sinon. Peu importe le nombre de votre passage secret, toutes les issues sont bloquées, bip. Ah d'accord, c'est ça cette voix. Oui, exactement, et comment te dire que c'est très saoulant? Papa, sauve-nous de là. Je vais essayer de faire tout ce que je peux, les filles. Eh, mais si on montait en haut de l'horloge, si on remettait l'heure d'avant, peut-être que cela s'arrêterait. Si ça se trouve, ce n'est pas la balance qui a créé cette voix, mais l'heure. Oui, nous devons changer l'heure, nous devons monter jusqu'à cette horloge. Je vais essayer d'y sauter. Allez, je vais y arriver. Parfait, j'ai réussi. Ah, j'espère que ça va marcher. Bip, bip, arrête de la voix, arrête. Nous avons réussi, et je peux rouvrir la porte. Coucou. Roger, mais tu étais où? Ouf, content que tu sois revenu, hein. Je sais pas où j'étais. Bon, bref, en tout cas, on a enlevé cette voix, du coup, on peut sortir de cette maudite pharmacie. Oui. Allez, on y va, au revoir, monsieur. Au revoir. Allez, on y va. Si, je les ai bien nus. Bip.